Les pierres précieuses, depuis la plus haute antiquité, elles fascinent les hommes. Il y a les multitudes misérables qui déferlent sur les gisements et creusent, fouillent, jusqu'à l'épuisement pour trouver la pierre qui les rendra riches. Ils sont parfois la proie des bandits qui les assassinent pour s'approprier leur butin. Et puis, il y a les chasseurs de pierres. Ces derniers servent d'intermédiaires entre ceux qui cherchent les pierres précieuses et ceux qui veulent les posséder. Nous avons suivi l'un de ces aventuriers en Thaïlande et au Vietnam, où se trouvent de très riches gisements de rubis. En Australie, sur l'un des plus grands gisements d'opale du monde, et à Ceylan, à la recherche du saphir étoilé, une pierre très rare. Un mois de suspense et de péripéties que nous racontent maintenant Thierry Fournet et Michel Pinard. Voici Chasseurs de pierres. La pagode ne se trouve pas en Chine, mais à Rambouillet. Sa propriétaire, Madame Chen Jivan, a quitté la Chine en 1949. Cette ancienne musicienne à l'opéra de Pékin a une passion, les pierres précieuses. Dès qu'elle souhaite acquérir une nouvelle pierre, saphir ou rubis, elle se rend chez le chasseur de pierres, Pascal Entremont. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Je vous remercie de me rendre visite. J'aime toujours les pierres étoilées. Ce sont de bonnes pierres, les couleurs sont homogènes et assez soutenues. Oui. Et l'étoile est centrée et les branches sont toutes là, il y a 6 branches puisqu'il s'agit d'un saphir et d'un rubis de Ceylan. Oui, évidemment, c'est très 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 beau, mais un peu petit. Je vous attendais là, je suis bien d'accord avec vous, mais bon, mais écoutez, de toute façon, vous me demandez une grande pierre, comme je vais en Asie, je vais fouiller. Oui. Ça risque de prendre un petit peu de temps, je pense que je serai absent un mois et demi. Oui. Dès mon retour, d'ailleurs, je vous enverrai une carte postale, comme ça vous saurez à peu près si je l'ai trouvée. Oui. Bangkok. Premier rendez-vous pour Pascal chez Monsieur O, le plus riche commerçant de pierres précieuses de la ville. C'est un Birman qui se fait construire une tour de 45 étages, future bourse du commerce de la pierre précieuse en Asie. Well, listen, Henry, I'm looking for a blue star sapphire of very high quality, let's say 40 or 50 carats. Could you get it? Maybe I can help you with that. All right, you know the China's test. I have a China's client. Oh. In Paris, and she would like to get the top of the top. If you could get it for me, top. I think I have the perfect stone for you. Yeah, from where? From Burma, of course. Les bijoutiers de Bangkok se fournissent sur les gisements de Borai, à l'est du pays. Beaucoup d'enfants parmi ces mineurs. Tous espèrent trouver un jour le rubis qui les rendra riches. Monsieur O a besoin de plusieurs jours pour se procurer les pierres que Pascal appréciera peut-être. En attendant, celui-ci fait le tour des bijoutiers de Bangkok, mais les pierres qui sont vendues ici sont souvent fausses ou traitées. Est-ce que c'est très difficile de reconnaître une vraie pierre d'une fausse pierre ici en Thaïlande, par exemple? C'est tout à fait impossible aux néophytes. C'est très simple, les pierres de haute qualité sont extrêmement rares sur la planète et on est obligé de les chasser parce qu'elles ne restent pas en place. La demande est supérieure à l'offre. Dès la première boutique, démonstration immédiate. Et là, il y a quelque chose de curieux, vous pouvez voir des topazes incolores avant traitement et juste au-dessus, le résultat du traitement, regardez ce bleu magnifique. Et il s'agit d'une couleur provoquée, bien sûr. Ces belles couleurs qui changent complètement la valeur de la pierre sont obtenues par chauffage ou même par irradiation. Tout cela, bien sûr, sans être le moins du monde signalé. Pierre de synthèse ou pierre traitée, ici tout est bon pour tromper le touriste.
Pattaya, premier centre touristique du pays. Il y a ici plus d'une cinquantaine de bijoutiers. Pascal a choisi la plus grande bijouterie de Pattaya, spécialement recommandée par le ministère du tourisme thaïlandais. Peut-on se fier à elle ? This is a real topaz. Yeah, it's topaz. Are you real. Sure? Sure. So actually, this is not topaz. This is citrine. It's a quartz. No, it's topaz. No, it is not topaz. It's do you know? It's citrine. Topaz. It's citrine. It looks like a citrine, but a topaz. This is topaz also. Yeah. From where? They come from South Africa too. South Africa? There is no topaz in South Africa. They have some. No. They have some in South America too. Yes, but you said South Africa, so that's the question. It's not the same. Dommage qu'on donne des accréditations à des officines de ce style, malheureusement. Évidemment, tous les classiques, citrine pour topaz, topaz bleu traité, nom mal orthographié, mal connaissance totale. La personne ne semblait manifestement pas être au courant des traitements que l'on opère sur les saphirs ici en Thaïlande. Deuxième étape pour Pascal, Chantaburi, centre minier et capitale du rubis, à la frontière du Cambodge. C'est son terrain de chasse privilégié en Thaïlande. J'avais 18 ans, je suis parti en stop en Inde et puis j'ai commencé à faire du commerce de pierres très petitement, c'est-à-dire que j'ai acheté comme tous les touristes quelques pierres en espérant faire un profit et éventuellement en faire un métier. Et en arrivant en France, je me suis rendu compte que mes pierres étaient fausses. Alors ça, je n'ai pas du tout apprécié et j'ai commencé les études de gémologie. Derrière moi, un bistrot où la plupart des marchands viennent proposer leurs pierres avant d'aller voir les grands négociants. C'est là que les premières transactions se font. What is it, rubies? Rubies. Natural? Yeah. How much you want for this stone? 1 500 000 baht. How many carats? Wait. Plus de 7 carats pour ce rubis du Cambodge. Une taille respectable, mais le prix ne l'est pas moins. 350 000 francs. Trop cher pour Pascal. C'est la première fois que je vois une pierre à couleur de paparaja en provenance du Vietnam. Je ne sais rien sur les inclusions de cette pierre, c'est une découverte pour moi et probablement pour beaucoup de gémologues. J'ai essayé d'acquérir cette pierre parce que c'est la première que je vois. La couleur que l'on recherche est celle de la fleur de lotus au lever du soleil, puisque la fleur de lotus n'est pas encore tout à fait ouverte au lever du soleil. Les rubis vendus à Chantaburi viennent très souvent de Paelin au Cambodge. Paelin est en territoire Khmer Rouge. Les mineurs qui s'y rendent le font au péril de leur vie. Les risques sont énormes, barrages Khmer Rouge, mines antipersonnelles et malaria, tout cela pour une poignée de dollars. Dans cette affaire, ce sont rarement les mineurs qui font fortune. Retour à Bangkok pour Pascal, qui se rend chez le père de Monsieur O. Va-t-on lui proposer les pierres qu'il a demandées ? $505 000 baht pour 13 carats 13. Un peu soutenu en couleur pour le marché français. Yes. Yeah. What would be the beaucoup de belles pierres, mais rien qui ne corresponde à ce que recherche Pascal. L'approvisionnement en pierres devient d'ailleurs très difficile à Bangkok. Les boutiques ferment les unes après les autres. To Shangri-La Hotel. Oh, why? Fine, not good. Why, no good? Shooting. What shooting? I want to go to Shangri-La. How much you want? No, tell me how much you want. Cannot
Cannot go. You come. How much? I pay. I give you good price. No, no. I need to go to my hotel. Maybe my car burn out. No? Your car burn out? Yeah. No. Somebody burn my car. Somebody burn your car. Come, we go. Impossible de trouver un taxi, même en essayant de payer plus cher. D'ailleurs, c'est parce que vous avez vu dans le journal, ça s'explique un petit peu. Il y a eu un certain nombre de morts. Alors, je vais dormir là. C'était le 18 mai 92. Manifestation, fusillade, il y aura ce soir-là 20 morts parmi la foule qui veut la démocratie. Pascal a déjà connu ce genre de situation. C'est très mauvais pour les affaires. Sa décision est prise, il va quitter Bangkok. Mais auparavant, il se rend à un dernier rendez-vous pour préparer son étape suivante. Les gisements s'épuisent un petit peu partout sur Terre. Une découverte de rubis au Vietnam, je vais aller voir l'un des plus grands spécialistes du domaine, M. Dick Hughes. Un gémologue de réputation internationale, un vieux copain. Monsieur Hughes travaille pour une société australienne. Pour lui, la Thaïlande ou la Birmanie, ça n'est plus l'avenir. Il y a désormais une autre terre promise pour les chasseurs de rubis. Two years since you've been here, right? You're still alive, I see. Yes, yes. We've had a lot of developments here since you were last here. Uh-huh. Take a look at this. The new home of rubies. Yeah. Vietnam. Very exciting place. All right, but can we go there? It's a little difficult. Especially the rubies come from this place, right here, Lukian. Yeah, I know the name. I'd like to go there. Yeah? Can I go there? It's difficult to get permission. That's why I like it. Yes, I know. The best places are always the hardest to get to. I know. Dès son arrivée à Hanoï, les demandes sont faites pour obtenir l'autorisation d'aller à Lukian sans beaucoup d'espoir. Mais auparavant, Pascal doit se rendre à la première vente aux enchères de rubis vietnamiens. Il fait partie des quelques privilégiés autorisés à participer à cette vente qui, dit-on, promet beaucoup. Les organisateurs de la vente, des Thaïlandais associés aux Vietnamiens, perçoivent un droit d'entrée de 25 000 francs. Petit budget, s'abstenir. Pascal rencontre l'un des organisateurs. Moi, je vais absolument acheter des pierres à vous m'expliquer comment on fait. Hein. Oui, d'accord. Je suis un peu en retard, mais quand même. Je sais. Le système de vente, inspiré de celui pratiqué en Birmanie, s'apparente plus au pari qu'au commerce traditionnel. Chaque participant regarde les lots de pierres, essentiellement du brut, les estime, puis met dans une enveloppe le prix qu'il est prêt à payer pour le lot qui l'intéresse. Tout cela sans savoir ce que mettront ses concurrents. C'est beaucoup d'émotion de voir pour la première fois une pierre qu'on recherche depuis longtemps. Beaucoup d'émotion et beaucoup de stress. Est-ce qu'on va pouvoir l'acheter ? Est-ce qu'elle vient bien ici ? Est-ce qu'elle est bien totalement naturelle ? C'est là qu'intervient le laboratoire portable que j'emporte toujours avec moi et la trentaine de tests physiques, chimiques et optiques que je suis obligé de faire. Mais ce n'est qu'une approximation. Je ne me prononce jamais pour la pierre de quelqu'un. Lorsque quelqu'un en voyage vient me voir et me dit « Est-ce que cette pierre est vraie ou pas ?» Je ne peux pas, je prends le risque pour moi. J'achète la pierre, je me fais mon idée. Si jamais je me suis trompé, c'est mon problème.
Les tests se révèlent très positifs, toutes les pierres sont naturelles. Une heure plus tard, dépouillement des paris, Pascal est un peu fébrile. Pascal, entre nous, vous avez pris des options sur certains lots. Oui, absolument. En général, ce n'est pas donné, mais j'ai trouvé un spinel bleu brut absolument extraordinaire. J'espère bien l'avoir. Et puis, un saphir étoilé. J'espère que personne ne m'entend parce que tout le monde parle français ici. Donc, on est en train de faire la vente. Les bids sont déposés dans la boîte. Si quelqu'un m'entend dire ça, peut-être qu'il va surenchérir sur moi. Donc, on verra tout à l'heure. Moins de fébrilité, en revanche, pour ce Japonais très optimiste qui a déjà raflé tous les lots proposés la veille. Mr. Andre Holland has won lot number 527 with a total value of $6,000. Tôi xin hoan nghênh tất cả 4 vị khách hàng đã. Joie de courte durée pour Pascal, rien n'est joué. Son ami, Monsieur O, le grand joaillier de Bangkok, venu pour la circonstance à Hanoï, a parié exactement la même somme que Pascal. Seule solution pour les départager, le pile ou face, devant des Vietnamiens très étonnés. Et la chance est du côté de Pascal. Pascal, vous venez de gagner une pierre à pile ou face. Absolument. Et avec mon ami Henri Ho, qui est le plus grand marchand de Thaïlande. Pascal est ravi. La vente est terminée. 80 kilos de rubis ont été vendus, le tout pour 1 million de dollars. Pascal, lui, s'intéresse à un gros cristal de rubis. Superbe au niveau minéralogique, vraiment une pièce fantastique, très peu de choses à tailler probablement, mais quel objet. Il ne l'a pas acheté tout de suite, trop cher. Il parvient à prendre rendez-vous avec l'un des vendeurs, persuadé qu'il peut l'avoir beaucoup moins cher. Ce cristal de rubis, il le veut. Rendez-vous à 20h dans l'arrière-boutique d'un petit café du vieux quartier chinois. Pascal, c'est un principe, arrive toujours le premier au rendez-vous. En plus du gros cristal de rubis, d'autres pierres sont proposées à Pascal par le groupe de vendeurs qui souhaitent lui vendre tout un lot. How much you want? What is your last price for this one? Đây là một cái giá. Mine was 3,000 for the stone. So now I have an offer for you. I want to deal with you. I want to start to deal. I want to make collaboration. But I want to start it with a deal which is good for me. Yeah, and this so the total price is 2,500. Okay. Friend. Yeah. Okay. C'est quand même assez exceptionnel de trouver un rubis cristallisé de ce volume-là, et de cette couleur. Vous organisez souvent des négociations comme ça? Ah bah c'est le jeu, hein, c'est tout le temps comme ça. De toute façon, ils ne sont pas dupes. On vient là pour discuter. C'est un peu un jeu aussi. Ah, c'est un jeu, bien entendu. La pierre est un jeu. La chance continue de sourire à Pascal. Feu vert pour se rendre à la mine de rubis de Lukien. Une zone pourtant normalement fermée aux étrangers. Il est le premier acheteur occidental à s'y rendre. Chaque belle pierre vient avec une histoire. C'est une partie de moi, une partie de ma vie, une partie de mon voyage. Et puis de tout ce qu'on peut vivre en voyage, c'est-à-dire ces dysenteries, ces piqûres de bestioles, ces problèmes et ces tracasseries douanières et tout ce que nous connaissons quand on voyage beaucoup.
La mine de Lukien se trouve aux frontières de la Chine et du Laos, dans la province de Yenbei. Les rubis qui en viennent sont considérés comme les meilleurs du monde, au même titre que ceux de Mogok, en Birmanie. Pascal, vous voilà pour la première fois à Lukien, au Vietnam. Fantastique, puisque je n'ai jamais réussi jusqu'à ce jour à aller sur la mine de Mogok, malgré les tractations que j'avais fait avec le gouvernement birman. C'est une nouvelle mine qui est comparable, qui est tout aussi difficile d'accès, et j'ai la chance d'être le premier d'Europe. Vous pensez faire une bonne chasse demain, trouver de beaux rubis ? Je ne sais pas si la législation me permettra, mais ce qui est certain, c'est que je vais rapporter de nombreuses informations qui seront interprétables au niveau scientifique. Une bonne journée pour vous, tout de même. Une journée extraordinaire qui marque une vie. 6 heures du matin, Pascal quitte le camp. Pourquoi elle est nécessairement sur place ? Déjà l'aventure, et puis vous savez, il faut chasser les pierres. Les pierres rares n'attendent pas. La grande cavalerie, ça reste dans les boutiques, ça reste chez les marchands. Mais la chose exceptionnelle ne reste pas sur place. Elle s'envole immédiatement et il est urgent de la saisir au vol. C'est la raison pour laquelle il faut faire le plus de présence possible sur les gisements. À Lukien, tout est mécanisé. La terre est inondée, puis aspirée et tamisée, tout cela automatiquement. La veille, un rubis de 11 carats a ainsi été découvert, une vraie petite fortune. Cette terre est gorgée de rubis et Pascal en fait la démonstration. Celui-là, c'est sûr, viendra bien de Lukien, pas besoin de laboratoire. En 4 ans, officiellement, pas un seul gramme de rubis n'a été vendu par la société qui exploite la mine. Pourtant, si l'on en cherche, on trouve du rubis de Lukien en Thaïlande. Le marché noir ici semble très bien se porter. Ce ne sont certes pas les trieuses qui détournent le rubis. Main gauche sous la table obligatoire et fouille à l'entrée et à la sortie. Pierre, Pascal. Superbe couleur, des pierres comparables aux pierres birmanes. Quand je pense qu'avant ils cherchaient de l'or et ils balançaient les rubis, et maintenant c'est tout à fait le contraire, on aurait dû venir avant. Auparavant on jetait les rubis, mais aujourd'hui, tout autour de la mine, de nombreux paysans abandonnent fermes, terres, troupeaux pour venir ici chercher fortune. Une sorte de ruée vers l'or rouge que les autorités vietnamiennes ne peuvent plus endiguer. Superbe cristal, magnifique. Très belle pièce de minéralogie. Une qualité cabochon, mais enfin, c'est surtout le cristal qui est beau. Combien ? 80 dollars. 80 dollars. Ah ouais, c'est vraiment superbe. $80, une misère par rapport à leur valeur réelle, mais une véritable fortune pour ce paysan vietnamien devenu chercheur de rubis depuis à peine 3 mois. Ici aussi, sur ce gisement sauvage, le rubis est à fleur de terre. Ouais, voilà un rubis donc de la mine de Lukien. C'est une mine très riche, toute la zone sur 50 km² et j'aime y faire. Le marché de Lukien. C'est le point de vente de tous ces rubis clandestins. Mais officiellement, la vente aux étrangers est interdite. Oh.
dans ce marché aux pierres de Loukien, Pascal, de belles pierres. Superbe, un peu petite, très j'aime, il y a des couleurs bleues et rouges, il y a même des saphirs bicolores. J'ai détecté quelques saphirs orange rosé naturels. Tout est naturel, pour l'instant j'ai vu aucune pierre synthétique. Ça pourrait faire le plaisir de beaucoup de bijoutiers thaïs. Par exemple, mais moi je suis frustré en tant que gémologue, parce que ne rien pouvoir acquérir, c'est une catastrophe. Vous n'acheterez pas? Non, bien sûr. Passage obligatoire pour qui vient au Vietnam, Saïgon, la ville qui attire le plus d'étrangers. On y trouve aujourd'hui de belles pierres et tout particulièrement le fameux rubis de Loukien. Mais le tourisme fait flamber les prix, trop cher pour Pascal. Comme à chaque étape, Pascal envoie une série de cartes postales à l'ensemble de ses clients. Finalement, les clients aiment bien savoir qu'on s'occupe d'eux, c'est ce qui est complètement légitime. Et je crois que lorsqu'ils achètent une pierre, ils achètent un petit peu de son histoire. Et c'est là que je diffère un petit peu des personnes qui se contentent d'acheter chez des grossistes et d'appliquer leurs coefficients. Chaque belle pierre vient avec une histoire. L'opale, elle fut surnommée la pierre maudite par Walter Scott. Le plus grand gisement du monde est en Australie, à Coberpedi, qui veut dire en aborigène le trou de l'homme blanc. Et c'est vrai que c'est un trou, un immense trou creusé par les mineurs. Là, tout est souterrain, les habitations, l'église, les hôtels. Pascal Entremont va s'y rendre pour y acquérir l'une des plus grosses opales de la planète. Et puis ensuite, il partira pour Ceylan à la recherche du saphir étoilé. On le retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Escale rapide à Singapour, l'une des plaques tournantes du marché de la pierre en Asie. Pascal, depuis longtemps converti à l'hindouisme, décide d'aller se recueillir dans le temple de la ville. Ça fait 15 ans, je suis allé en Inde en stop pour voir ce qui se passait au niveau des tapis volants et cordes volantes, et enfin ce genre de choses-là, et j'ai rencontré l'hindouisme en tant que philosophie et non pas en tant que religion. Et une relation avec le métier de chasseur de pierre? Au démarrage, non. Maintenant, oui, on regarde les choses avec un peu de recul et les problèmes de la profession en souriant. Et maintenant, direction l'Australie, à la découverte des mines d'opale. Adélaïde, Australie du Sud. Les mines se trouvent beaucoup plus au nord, 1000 km de plus pour Pascal, en avion et en jeep. Chasseur de pierre, c'est chasseur de rêves. De rêves conservables. Une pierre se charge en émotions et peut se charger en années, peut se transmettre. Elle est un legs, humble ou princier d'ailleurs. Un souvenir du tempérament des êtres. Lorsque quelqu'un de votre famille vous retransmet lors de sa disparition une pierre, vous savez que cette pierre l'a suivi dans tous les moments difficiles ou agréables de sa vie. Mais je crois que sur le plan sentimental, ce sont des objets de grande valeur. En plein désert, Pascal s'arrête pour vérifier s'il y a des traces d'opale. Je vais à Coberpedi, un super gisement d'opale, et on va certainement trouver, enfin j'espère pour la collection, une opale rouge. Les plus rares, celles qui ont des feux pratiquement tous rouges. Et vous connaissez un négociant? Oui, il y a un grec qui en a en principe. Et vous avez bon espoir qu'il vous en cède une? Bien sûr, parce qu'il les adore, il les garde pour eux. You have a beautiful red opal. Is that the truth? Oh yeah, I've got
The noise is plenty red, but I've got a nice one over there. Yeah, the noise is running in the streets. Yeah. I'd like to see it. Can you show it to me? Stone has a name. What's the name of a stone? There's a flying. It's absolutely wonderful. How much do you want for it? No, that's for my collection. What do you mean your collection? I don't Can like I give you a prize? No. No prize? I spent 27 years here. I deserve to have one stone of my own. Have you seen other stones like that? No, before? Not. That's also my case. Yeah. I never saw such a beautiful stone. That's quite unusual. En effet, Yanis refuse de lui vendre la flamme du désert. Il lui conseille de se rendre le soir même au saloon, lieu de rencontre des mineurs de Kuberpeli. Ce joueur de billard s'intéresse à Pascal et lui propose pas moins de 40 kilos d'opale. Mais impossible de vérifier si celles-ci ne sont pas craquées, car le mineur les lui présente dans l'eau, qui dilate les pierres et gomme les défauts. Pascal préfère s'abstenir. À Kuberpedi, il n'y a que des mineurs, une centaine aujourd'hui, et quelques aborigènes. On vit sous terre dans d'anciennes mines, maisons, boutiques, hôtels et même églises sont complètement ou partiellement enterrés. Rod, 32 ans, habite une de ces maisons troglodytiques. Venu d'Adélaïde, il espère faire fortune dans l'opale et a acheté une concession de mine. Il vit ici avec sa femme et ses quatre enfants. C'est la chambre que j'ai construite pour ma fille. J'ai mis un système d'aération pour avoir de l'air frais tout le temps. C'est un peu comme l'air conditionné. À peu près, meilleur même. C'est bon marché. Pour creuser cette aération, je suis descendu à 25 mètres jusqu'au niveau où l'on trouve de l'opale. J'en ai trouvé et du coup, je me suis fait un peu d'argent. C'est très dur de travailler dans les mines. Physiquement, oui, mais on ne peut pas travailler vraiment longtemps. Je travaille peut-être de 9h à 13h et ça suffit. Après, je vais au bar nettoyer ma gorge de toute la poussière avec quelques bières. Vous faites tout à la main. Oui, on travaille seulement à la main. Une forme de nopale. Vous avez trouvé une opale? Une toute petite. Bof, c'est nul. Vous entendez le bruit que fait l'opale? On dirait du verre. Après 4 ou 5 heures de travail, combien d'opales pouvez-vous trouver? Très souvent, rien. Quelquefois, un peu. Mais peut-être qu'un jour, enfin... Son but, amasser le plus possible d'opale et partir ailleurs. Mais ce n'est hélas qu'un rêve. Y a-t-il des problèmes de sécurité? Faut-il faire attention avec les voleurs de pierre? Oui. On a quelques problèmes. Dès qu'on a de l'argent, ça se sait et les gens viennent pendant la nuit. Ils sont très organisés avec des talkie-walkies. Parfois, on les entend travailler. Alors moi, je fais une petite bombe, je la lâche dans le trou, tant pis pour eux.
Vous pensez que votre fils deviendra mineur plus tard? Non, il deviendra médecin. Tout sauf mineur. C'est trop dur pour lui. Trop dur pour mes enfants de faire ça. Aujourd'hui, l'Opale se vend beaucoup moins bien. Certains mineurs qui auraient échappé à la vigilance des mineurs. Vous faites de l'argent avec ça? Si c'est une bonne période, c'est possible. Mais cette année, c'est pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de mines qui fonctionnent. C'était mieux la dernière fois? Ah oui, très bien. Il y a beaucoup de gens qui font ça ici? Pas mal de touristes viennent pour des périodes courtes et les aborigènes font ça toute l'année. C'est dangereux? Ça peut l'être si vous ne faites pas attention. Les secouristes m'ont dit que chaque année, il y a deux ou trois touristes qui tombent dans les mines. Ils meurent ou se rompent les os. Et les mineurs ne se fâchent pas si vous faites ça? Pas trop auparavant, mais maintenant ça les inquiète. Ils veulent clôturer les mines pour que l'on ne s'approche plus. Un mineur de Cooper Pedy, apprenant la présence de Pascal en ville, lui fait savoir qu'il est prêt à lui vendre l'une des plus grosses opales connues. Le rendez-vous est pris pour le soir même. Cette pièce est exceptionnelle. Elle est très solide, comme disent les Australiens. Les feux sont bien répartis, il y a quelques zones blanches, mais ça en fait quand même une pièce d'exception pour faire des statuettes chinoises. Pierre pour Hong Kong, sans aucun doute. La deuxième opale connue. L'autre partie est dans le Guinness Book of Records. What would you think about a prize? Can you write it down for me? We have pen. I'll give you my pen. I don't give it to you. Conformément aux usages, Pascal et son vendeur tiennent à garder secret le prix de la transaction. Well, that's your last and first prize. Last and first. Well, I don't know what I will decide, but for sure we have to discuss about it and stop by shake hands. And let's go to the bar and talk about it. Okay. Le prix de la transaction est important, mais c'est de Paris que Pascal devra la régler. Cela lui donne le temps de réfléchir. En attendant, Pascal embarque pour sa dernière étape, le Sri Lanka. Entre mon dernière étape de votre voyage, Colombo. Pourquoi Colombo? Parce que c'est l'île des gemmes, probablement l'endroit où il y a le plus de variétés de pierres de couleur, à très faible profondeur. Depuis très longtemps, j'y ai d'ailleurs eu des mines à une certaine époque. Lorsque vous arrivez à Ceylan, quels sont les endroits où vous vous rendez? Principalement à Ratnapura, qui est le site minier, à côté de l'endroit où j'avais ma concession. C'est jusqu'à maintenant le paradis des gemmologues. Certainement 130 variétés d'espèces de pierres de couleur, sauf le diamant jusqu'à maintenant. Évidemment, les Ceylanais attendent le diamant avec impatience. Qu'est-ce que vous venez chercher cette fois-ci ici? Cette fois-ci, j'aimerais trouver un spinel étoilé de grand volume, et puis peut-être la pierre que je n'ai jamais encore trouvée puisqu'elle n'est pas encore mentionnée, la taphéite étoilée. Ratnapura est à 5 heures de route de Colombo. Mais la mousson est en avance, de nombreuses routes sont inondées. Pascal fait le tour de Colombo pour trouver un chauffeur qui accepte de tenter l'aventure. Il parvient enfin à persuader un taxi. Malgré les informations contradictoires, la route de Ratnapura reste ouverte. Pascal veut avant tout retrouver son ancien associé, M. Ramsay. Is Mr. Ramsay over here? No, no, Ramsay's there. Yes, but I'm waiting for him here. We have an appointment at 9:30. I calling him? Yes, please.
You tell him that Pascal is here. Pascal is. Yes. Thank you. Vous savez ce qu'il est devenu, hein, ce monsieur Ramsay? Eh ben, apparemment, grand marchand ici, puisque tout le monde le connaît et tout le monde le respecte. C'est curieux comme impression, parce qu'on était tout petits tous les deux au démarrage, et apparemment, ben, ça a progressé parallèlement. Devenu quelqu'un d'important, M. Ramsay est en retard. Pascal en profite pour retrouver le restaurant de ses débuts. Ramsay vient chercher Pascal une demi-heure plus tard. Il a prévenu tous les petits marchands de la ville de la présence d'un acheteur européen. Même avec votre ancien associé, il est quand même nécessaire de sortir le labo. Oui, parce qu'il ne sait pas obligatoirement ce que c'est, bien sûr. Oui, avec les nouveaux traitements, tout le monde voyage maintenant, tout le monde va en Thaïlande. C'est plombé partout, en fait. Nombreux sont ceux qui vont en effet acheter en Thaïlande des pierres synthétiques ou traitées pour les revendre dans le monde entier. Cher. Pas de pierre exceptionnelle, pas de taphéite rouge. Mais après plusieurs jours de recherche, Pascal achètera quelques beaux spécimens qui n'ont pas été trafiqués. It's a tourmaline, huh? Yeah, tourmaline. No doubt. It is not a spinel because green spinel doesn't exist. It's a tourmaline. C'est une mine de saphir et de chrysobéryl. J'ai eu plusieurs mines dans ce style-là pendant 2 ans. J'ai eu une concession de 2 ans et j'ai exploité 1 an, juste à côté d'ici, dans la vallée de Ratnapura. C'était une bonne opération pour vous? Pas terrible, non. Pas terrible. C'est difficile de contrôler ce qui sort et ce que l'on récupère vraiment. En plus, il faut partager avec les mineurs, donc les teneurs sont faibles. Le saphir est une pierre rare quand même. Mais malgré tout, vous revenez périodiquement à Ceylan pour acheter des saphirs. Bien sûr, d'abord j'ai des amis et ensuite je viens chercher des saphirs. C'est le seul moyen d'avoir des saphirs non chauffés parce qu'à partir de la Thaïlande, c'est foutu, ils sont bricolés. Vous avez vu le trou qu'ils ont fait qui fait une trentaine de mètres et ils vont sortir quelques saphirs qui valent rien du tout, ils sont payés rien. C'est rare. Il est certain qu'on voit beaucoup de saphirs aujourd'hui, mais ce sont des saphirs de mauvaise qualité ou qui sont traités. Ceux qui sortent ici, qui sont de bonnes couleurs, sont des pierres rares et chères, aucun doute. La demande est supérieure à l'offre. Partout, le Japon est dans le premier demandeur, avec l'Allemagne. Chaque mineur gagne ici l'équivalent de 20 francs par semaine, auquel s'ajoute un petit pourcentage sur les pierres trouvées. Mais les accidents sont fréquents et meurtriers, surtout lors de la descente au fond de la mine. Pascal, il vous arrive souvent d'expertiser des pierres? Oui, toujours quand j'en achète. De toute façon, au retour de chasse, toutes les pierres passent par mon laboratoire, déjà au démarrage. Il faut se méfier car le lieu d'achat d'une pierre ne veut pas nécessairement dire que la pierre vienne de cet endroit-là. Donc on veut des preuves scientifiques, là il faut que j'affine le spectre. Vous êtes complètement opposé au traitement de la pierre? Ah, pour moi c'est très simple, je sors de toute polémique et je dis une pierre, on la sort de terre, on la scie, on la polie, c'est-à-dire en gros on la taille et c'est tout. Vous pensez que votre cliente chinoise, Mme Chen Jiwen, sera contente? J'ai bien l'impression, oui. Ah, celui-là est magnifique. C'est ça qui est précieux, n'est-ce oui, pas? Oui, il est bleu, ah, les autres sont gris. Oui. Et comme vous pouvez voir, l'étoile est très centrée. C'est oui. une pierre de haute qualité. Oui. Que j'ai rapporté juste là, comme vous pouvez ça voir. Ça fait combien de carats? Ouh, ça doit bien faire une vingtaine de carats, ça. Oui, oui. C'est déjà beaucoup plus grand. Je sais que vous êtes un peu venu voir le fameux collier de Maharani. Oui, oui. 1000 carats de rubis et saphir de toutes les couleurs. Eh bien, écoutez, il était là depuis tout à l'heure.
et vous allez pouvoir prendre en main et me dire ce que vous en pensez. Comme c'est magnifique. Il s'agit de 1000 carats de rubis et saphir, de Ceylan et des Indes, fasté. Extraordinaire. Pas un gramme de métal. Ah, il faudrait une robe blanche, mais je crois que c'est un bijou qui vous irait fort bien.